Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une tête de cul pour filmer ce Get Ready With Me spécial jour avant la rentrée. Donc ça va être un peu style moitié vlog, moitié getting ready. Alors le premier truc c'est que le jour avant la rentrée je ne me maquille pas. Ce que je vais faire c'est que je vais venir m'appliquer de l'huile dans mes cheveux pour que mes cheveux se reposent voilà quelques heures avec de l'huile. Et comme ça le lendemain ils seront tout doux et ça c'est trop bien. Je vous invite vraiment à le faire, je vais vous montrer c'est quoi le produit. Je pense que vous devez voir le bordel derrière et vous devez vous dire what, c'est quoi ça? Mais attendez, vous allez vite savoir pourquoi. Du coup je vais appliquer dans mes cheveux cette huile de chez Aussie, c'est la 3 Miracle Oil. Moi je sais que j'en applique pas mal de pompes, donc en général je mets, allez, 4-5 pompes. Je sais c'est beaucoup mais bon voilà, il faut ce qu'il faut n'est-ce pas? Vous pouvez voir un petit peu un petit aperçu du bordel, c'est très sympa hein. Alors maintenant que j'ai appliqué mon huile, le jour avant la rentrée, ce que je fais c'est que soit je range, soit je change des meubles de place. Et je sais que ça c'est un truc que j'adorais faire et je vous le conseille, je sais que quand je veux changer un peu de vie, je vous conseille vraiment de tout ranger pour avoir bien les idées claires. J'ai plein de trucs un petit peu partout, c'est un peu la merde, j'ai des bouteilles d'eau là-bas. C'est cool parce que dans cette vidéo j'ai une excuse pour les cheveux gras. Alors musique DJ. Là, j'ai remis mes habits de... J'ai mis plus des habits de rentrée. Bon les gars, j'ai fini de ranger ma chambre. Je n'en peux plus, j'ai un mal de crâne, vous imaginez même pas. Donc voilà, c'est tout de suite beaucoup plus agréable de rentrer dans une chambre rangée, vous imaginez même pas. Enfin si, je pense que vous devez peut-être le savoir. Sinon ça voudrait dire que vous ne rangez jamais. Donc là je vais aller prendre ma douche. Comme vous pouvez le constater à ma tête, je sors de la douche. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais juste venir appliquer une petite crème sur mon visage. Donc c'est ma crème habituelle en fait. Voilà, c'est la Pure Calmie de chez Yves Rocher. Donc là c'est vraiment, c'est un vrai Getting Ready With Me spécial jour avant la rentrée. C'est vraiment le vrai truc que je fais. Parce que j'ai pas envie de dire faites-vous un masque, faites-vous ci, faites-vous ça, alors que je le ferai pas. Voilà, moi perso je prends aucun plaisir à me faire des masques sur le visage et tout, genre je trouve ça plus chiant qu'autre chose. A la rigueur, ce que je pourrais faire et que je vous montrerai pas là parce qu'aujourd'hui c'est pas le jour où je dois faire du sport, mais ce que je pourrais faire c'est faire du sport, donc soit le matin ou alors en fin d'après-midi. J'ai utilisé un produit de chez Yves Rocher, c'est une huile de douche à la vanille. Et j'utilisais ça pendant les vacances déjà et ça sent super bon et ça reste vraiment, l'odeur reste super longtemps sur le corps et ça c'est quelque chose de très agréable et c'est quelque chose que je peux vous conseiller. Jamais vous voulez un peu vous détendre etc, je suis en train de galérer pour fermer ma crème hein, c'est n'importe quoi. Du coup sinon voilà, j'ai pris ma petite douche tranquille, je me suis lavé les cheveux forcément maintenant je vais aller manger. Donc je vais faire une petite recette entre guillemets que je ferai sûrement le jour avant la rentrée parce que le soir j'essaye de pas trop manger. Après vous pouvez faire comme vous voulez hein. Si vous voulez vous taper une pizza le soir avant, moi il y a eu des rentrées où je faisais ça hein. Clairement rien à foutre hein. Mais moi je vais vous montrer un peu une petite recette que je fais. J'ai trouvé sur un blog de cuisine Elsie, mais je sais plus qui l'a fait. Putain, je commence à en avoir marre de pas arriver à la fermer cette merde. J'ai déjà fait une fois, j'ai trouvé ça trop bon. Et je trouve que pour le soir, c'est plutôt pas mal. Ça permet de pas trop manger et de s'endormir plus facilement. Et c'est parti, venez avec moi. Cheers.
voilà, j'ai fini de manger. J'espère que ma petite recette vous aura plu. Donc du coup maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon sac et préparer mes affaires. Du coup mon sac de cours se présente comme ça. Donc c'est un sac en cuir que j'ai acheté en vacances. Je dois bien avouer que ça me fait super mal au cœur de l'emmener pour aller en cours. Donc du coup dans mon sac je vais juste mettre un mini agenda comme ça. J'avais dit que j'achèterais pas d'agenda, mais du coup on m'en a offert un. Donc c'est Yves Rocher qui offrait ça. Et c'est un tout petit agenda comme ça. Et donc du coup je me suis dit que j'allais essayer de m'en servir. Mais je me suis quand même acheté un bloc-notes au cas où. Et au niveau de la tenue, un petit pull comme ça colvé doré, un jean. Voilà, un jean standard. Et sinon je vais mettre ma veste en cuir, voilà, pour un petit peu rock, on adore. Donc une fois que tout ça c'est fait, et ben c'est la fin de la journée forcément. J'essaie d'être prête le plus tôt possible. Si même je peux être prête à 7h, je le fais. Comme ça après je peux profiter d'aller voir une série, de regarder des vidéos sur YouTube, etc. Vraiment profiter de ma dernière soirée. Donc là ce que je vais faire, c'est un truc que je fais relativement souvent le soir, c'est que je me prends un thé. Donc ça c'est pas, je fais pas semblant en mode fit girl, je bois mon petit thé le soir. J'ai vraiment une tête de cul, c'est génial. Je vais arrêter ma vidéo ici puisque de toute façon ça sert à rien que je vous montre en train d'aller dans mon lit et de dormir. Je pense que vous savez comment on fait. Essayez le jour de la rentrée de pas trop vous endormir trop tard. Je sais que moi c'est à chaque fois ce que je me dis. Et au final, ben je le fais pas. Je sais que c'est pas trop bon d'être sur son téléphone avant d'aller dormir, etc. Mais bon, moi je le fais quand même, voilà, je suis désolée. Je suis pas un exemple à suivre, mais je m'en fous. Mais ce que je peux vous donner comme conseil, si jamais vous voulez vous endormir tôt le jour avant la rentrée, faites du sport. Le jour même, faites du sport, que ce soit le matin ou l'après-midi, ça tue. Et le matin avant la rentrée, évitez de faire une grasse matinée. Juste le dernier matin de se lever tôt, bah vous allez être beaucoup plus fatigué. Et le soir, vous allez avoir envie de dormir beaucoup plus tôt. Donc voilà, c'est des petits conseils que moi j'applique. Je sais qu'en général, j'essaie de faire ça. Voilà. Donc du coup, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ça aurait été un getting ready assez spécial. Peut-être que ça va être bien, peut-être que ça va être nul. Je verrai bien au montage, je verrai bien selon vos commentaires. Je vous souhaite vraiment une très bonne rentrée. Je sais pas du tout si c'est la dernière vidéo que je posterai. Je pense que je vais essayer de refaire un autre Getting Ready, je suis vraiment très gourmande. Voilà, si jamais c'est la dernière vidéo Back to School avant la rentrée, je vous souhaite une très bonne rentrée. Profitez bien de vos derniers jours de vacances, profitez également de votre année scolaire, enfin profitez, travaillez surtout. Voilà, je vous fais de très gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! You ain't getting over him. Just stop.